La rivière Lobiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kasindi-Beni, 85 km, Beni-Butembo, 54 et Bounagana-Goma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusque Beni-Boutembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques. Et qui dit activité économique dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons, nous, Congolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusque à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternel, bien sûr, entre nos deux peuples. So, I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Tshisekedi, for bringing Congo into the East African Community. Et de nous avoir conduits dans cette union africaine. Because Congo outside the East African Community was artificial. Et parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. You cannot talk of East African Community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi-Beni-Boutembo-Bounagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%.